Bonjour à tous et bienvenue sur Cavalier Libre. Je vous retrouve juste pour une petite vidéo. Je voulais vous faire un petit partage de du problème que j'avais maintenant. C'est que j'ai envie de bosser ma jument parce qu'on est donc en période de confinement. Donc j'ai la chance de pouvoir être sur place et de pouvoir la travailler tous les jours. Mais en fait, c'est tellement inhabituel pour moi de pouvoir travailler tous les jours et tout, que j'ai tendance à me dire, bah je travaillerai pas aujourd'hui, je travaillerai demain et tout ça. Et là, donc ça fait 2 jours que je l'ai pas travaillé. Et j'arrive et je me dis, mais merde, en fait, je sais pas quoi faire, quoi. Et j'ai déjà publié une vidéo pour dire que faire quand on ne sait pas quoi faire avec son cheval. Mais là, je vous refais juste une petite vidéo pratique, pragmatique. Je sais pas quoi faire, donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, je suis allé dans ma carrière. Donc, dans ma carrière. Hop là. Je suis allé dans ma carrière. Et j'ai vu des plots, des machins, des trucs. Déjà j'ai tout vidé parce que j'en avais ras-le-bol qu'il y ait des trucs partout, parce qu'on sait plus où donner de la tête. J'ai juste refait un rectangle simple. Et après bah, je me suis dit, ah bah tiens, et si je tentais cet exercice, et si je tentais ça? Ah bah voilà, bah tiens, je vais faire ça. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est aller dans votre carrière, ou dans l'endroit où vous voulez travailler, ou dans n'importe quel endroit, baladez-vous. Et dites-vous, ah bah tiens, j'ai envie de travailler avec ce talus. Ah bah tiens, j'ai envie de travailler là-dessus et compagnie. Et peu importe quel que soit le travail, soit vous choisissez un dispositif qui vous amuse à faire, soit vous choisissez n'importe quoi, un truc qui vous permette de décaler les hanches parce que vous avez envie qu'au montoir, elle se range toute seule ou quoi que ce soit. Enfin, vous pouvez trouver à droite à gauche des idées d'exercice, mais après, ce qui compte, c'est l'état d'esprit que vous allez mettre en faisant cet exercice. Moi, personnellement, ce que je recherche, c'est la joie, tout simplement. Donc, la joie de quelque chose qui est fait en harmonie. Faire quelque chose en harmonie avec mon cheval, ça me procure énormément de joie. Et donc, j'ai pas envie de dire peu importe ce que c'est, parce qu'il y a des choses qui m'amusent plus à faire que d'autres, mais disons que c'est au-delà de l'objectif palpable, c'est l'objectif intérieur, on va dire. Donc voilà, je voulais vous dire ça, et je voulais vous dire aussi surtout, on a tendance à penser que, tiens, on va travailler son cheval, ah, on va le travailler. Déjà, il y a un problème avec ce mot. Va pas travailler ton cheval, va jouer avec, va faire ce que tu veux avec, mais dis pas, enfin, je pense, mais dis pas que tu vas le travailler, parce que direct là, moi, dans ma tête, je passe en mode, un mode, oh putain, ça va être chiant, quoi. Je vais le travailler, ça va être chiant. Donc, je fais que des ronds, j'espère que ça vous donne pas le tournis. Bah dites-vous que vous allez juste faire, je sais pas, un jeu, un truc, un machin. Trouvez un autre mot que le travail parce que c'est trop connoté. Et surtout, là c'est ce que je viens de me dire, c'est ne vous dites pas que comme vous allez travailler votre cheval, il faut que ce soit long et difficile. Pas du tout, ça peut être super court et vous pouvez être content très rapidement d'un truc et bah profitez-en pour laisser là-dessus. Soyez heureux. Moi, je pense que vraiment travailler son cheval, ça demande une motivation. Vraiment, ça demande d'aller chercher. Faut le faire, quoi. C'est un truc qui implique, en plus, si on a peur d'abîmer la relation, enfin, on peut avoir peur de plein de choses. Donc, c'est un truc qui nous demande. Mais plutôt que de voir ça comme un truc de ouf, genre, là, putain, je vais faire une séance, il faut que ce soit salade, tomate, oignon, la totale. Faites un truc simple. Donnez-vous des petits objectifs et vous aurez beaucoup plus de possibilités de vous dire oui, putain, c'est ça que je voulais être trop cool et voilà, et de dire oui à votre cheval. Enfin, faire des petits objectifs, ça peut que être motivant. Et si jamais vous avez envie de faire un objectif un peu plus gros, bah faites-le si vous en avez la motivation. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas la motivation, ne vous dites pas que ça doit être long et compliqué. Vous faites un truc simple et vous verrez, les idées vont venir toutes seules. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.